सर पे साया है, हम कर हाथ चलना सिखाओ हमें, प्यार की थपकियों से सुलाओ हमें, ऐसा नहीं चुकाना इनको हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों। Satya. Papa. Maman. J'accepte de l'épouser. Nous sommes ravis de l'entendre. Ils semblent s'apprécier tous les deux. C'est une excellente nouvelle. Comme je l'ai dit, pourriez-vous nous laisser un peu de temps ? Gayatri a besoin d'en parler avec ses parents, d'accord? Si vous insistez. Mais souvenez-vous, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre longtemps. Je comprends. Nous devons prendre congé. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Gidi, comment as-tu pu choisir cet homme pour notre fille? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Gayatri est juste un peu plus jeune. Un peu plus jeune? Cet homme a presque mon âge. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle importance? Ce qui compte, ce n'est pas son apparence ni son âge. Ce qui compte, c'est son rang dans la société. Je veux le bonheur de ma fille unique, c'est tout. Comment veux-tu qu'elle épouse quelqu'un qui a l'âge de son père? Dis-moi, Gidi! Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait ton âge? Le mariage est loin d'être un jeu d'enfant. Et au moins, il aura un minimum d'expérience. Et puis, s'il n'est pas comme toi, il aura... du bon sens. Quoi qu'il en soit, ces gens possèdent une immense fortune. Tu dis vraiment n'importe quoi! Tu as complètement perdu la tête! Tais-toi! Je sais ce qui est bon pour ma fille, ne me provoque pas! C'est toi qui as perdu la tête depuis longtemps. Si Satya avait approuvé ce mariage, tu te serais empressé de trouver que c'est un très bon parti. Tu aurais été enchanté de marier ta fille à cet homme. Gayatri, tu veux bien me suivre? Je voudrais te parler. Shubhi voyant. Tout le monde peut écouter ce que tu as à dire à Gayatri. Shubhi. Papa, je n'ai pas le droit de parler à Gayatri une minute seule à seule.
Ginny, cette famille est très fortunée. Tu es mère, tu veux seulement ce qu'il y a de mieux pour ta fille. Mais réfléchis. On peut trouver quelqu'un qui sera plus assorti à Gayatri. Stop, tais-toi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu crois, Satya? Je sais très bien pourquoi tu es contrarié. Ça te déplaît que la fille de ta servante soit l'épouse d'un homme dont la famille est plus riche que la tienne. Tu aimerais que Gayatri se marie avec un misérable employé de maison. Tu ne supportes pas qu'une fille de serviteur se marie avec un homme dont la famille est plus riche que toi. Tu nous as toujours aidés, mais ça ne signifie pas pour autant que nous t'autorisons à détruire la vie de notre fille. Ginny ! Tilo, lâche pas mes Satya. Qu'est-ce qu'il prend, Tiloram? Tu étais sur le point de la frapper. Mais Satya, elle a osé te manquer de respect. Je sais c'est pourquoi elle réagit ainsi. Ce n'est pas une raison. Tu n'as pas à lever la main sur elle. Elle est comme ma sœur. Si tu lèves encore une fois la main sur elle, je ne t'adresse plus la parole. Yashoda, on ne fera qu'empirer les choses en restant ici plus longtemps. Alors partons. Ginny, on est une seule et même famille. Quand l'un d'entre nous a un problème, on le résout tous ensemble. À partir de maintenant, je n'interviendrai en rien dans cette affaire. Libre-toi de décider ce qui conviendra le mieux au bonheur de Gayatri. Allons-y, Yashoda. Suani, on part. Qu'est-ce qui t'arrive, Gayatri? Tu te rends compte de ce que tu viens d'accepter? Personne ne m'a obligée à être d'accord. Cet homme me plaît bien. Mais tu n'as pas discuté avec lui. Pourquoi? Pourquoi tu as accepté d'épouser ce gars-là? Hein? Qu'est-ce que tu fais, Gayatri? Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi avoir accepté ce mariage? Cet homme est trop vieux pour toi. Je ne le fais pas sous la contrainte. Je ne veux pas que tu l'épouses, quel que soit ton prétexte. Tu es ma sœur. Je suis responsable de toi. Tu te souviens de ce que tu m'as toujours dit à propos des choix des parents, au sujet de l'avenir de leurs enfants? Ils prennent la bonne décision. C'est ma mère qui a fait ce choix. Elle sait ce qui est bon pour moi. C'est toi qui l'as dit. Parfois, les parents se trompent eux aussi. Et cette fois, ta mère a tort. On sait tous qu'elle a tort. Et contre toute attente, tu es d'accord avec elle? Tout le monde veut ton bien. Qui se réjouit de cette union? Est-ce que ton père est heureux? Est-ce que le mien est heureux?
Et toi, tu es heureuse, Gayatri? Non, Gayatri. Je ne te laisserai pas commettre cette erreur. Tu vas tout de suite y retourner et leur dire que tu refuses. Il ne faut pas attendre. Allez, viens. Mettons un terme à cette histoire. Arrête, Shubi, non. La discussion est close. Je refuse d'en parler avec toi. Cette famille a appelé. J'ai dit cette famille a appelé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux que ma fille soit heureuse. Ce n'est pas seulement ta fille. C'est la mienne à moi aussi. Tu as pris une décision sans m'avertir. Comment as-tu pu faire ça? Hein? Je n'ai pas le droit à la main. Ah, si, tu l'as. Mais as-tu déjà pris une décision tout seul? De toute façon, tu feras ce que Satya te préconise. Allez, va lui demander si qu'elle est d'accord pour ce mariage. Tu pourras suivre ses conseils à la lettre. Maintenant, ça suffit, je te préviens. Si tu ne veux pas, on déborde qu'il en soit ainsi. Mais je ne serai jamais d'accord. Je ne serai jamais d'accord avec ton choix. Jamais. Mais pourquoi tu te mets en colère? Ce mariage, est-ce qu'il y a de mieux pour elle? Ta fille elle-même y a consenti. Dis-moi si c'est la vérité. Tu peux répondre, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive, Gayatri? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu ne peux pas te... Ange. Personne ne m'a poussé à accepter. Je sais très bien ce que je fais. Tu rigoles, Gayatri. Arrête, Ange. Je voudrais que... tu l'acceptes et tout le monde doit l'accepter aussi. Je vais épouser Naresh. Et tout le monde sera heureux. Et ton bonheur à toi? Hmm? J'ai du travail avec Soigny. Chandar, chérie, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu disais que... Rien du tout. Maintenant, on n'a plus rien à faire, juste à regarder. Alors quoi? Ça y est? Tu ne cherches plus à les détruire? On n'a plus à s'inquiéter. Tout va se faire petit à petit. Mais comment? Je ne sais pas pourquoi, je me souviens soudain de Saint Narad qui chantait toujours Narayan, Narayan. Tu as pigé? Non. Eh bien, la destruction de la famille de ton frère est inévitable. Dieu lui-même ne pourra pas l'en empêcher. Saint Narad se met la zizanie entre les dieux. Je pense qu'en ce moment, il doit être vraiment très fier de ce que j'ai fait. Narayan, Narayan. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Réfléchis, Manorama. Essaye d'utiliser ton cerveau. Le Seigneur, les amis... dans une situation absolument impossible à gérer. Narayan, 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 Narayan. Gayatri est amoureuse d'Arjun. Arjun, lui, veut épouser Suhaini.
Et Soani, elle est amoureuse de Shub. Et Arjun est égoïste comme Ram. Leur vie à tous va s'écrouler dans très peu de temps. Narayan. Mais comment? Comment ça va arriver tout seul? Comme ça? Si Arjun se marie avec Soani... Qu'Arjun épouse Soani. Leur union serait un désastre. Hein? Laissons donc les événements se dérouler sous nos yeux. Les pièces de puzzle se mettent en place. Excepté une. Il en reste une à placer. Et le jour où ça arrivera, quand elle sera à sa place, j'aurai gagné. Narayan. J'ai vraiment besoin de ton aide, Soani. De mon aide? Oui. Je ne suis pas heureux de la décision de Gayatri. J'ignore pourquoi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas juste. Qu'elle a tort. Mais elle ne veut parler à personne de tout ça. Et pourtant, on a tous essayé. Mais il ne veut pas dire ce qu'il en est. Tu es bien la seule, Soani, à pouvoir nous aider. Mais... Shubi... Moi, je suis une étrangère chez vous. Mais oui, et c'est pour ça qu'elle peut se confier à toi. Elle a peut-être du mal à nous ouvrir son cœur, juste parce qu'on est proches. Nous l'aimons tous vraiment beaucoup. Et pourtant... Elle ne veut pas... Même pas me parler. Je ne comprends pas... Pourquoi elle est comme ça? Il faut que tu nous aides, Soani. À savoir ce qu'il y a. Je veux bien essayer. Demande-lui pourquoi. Pourquoi elle veut... épouser un homme qui est bien plus âgé. Plus âgé qu'elle. Je ne veux pas, Soani, qu'elle prenne une mauvaise décision. Et qu'ensuite, elle le regrette pour le restant de ses jours. Shubi, je crois que je sais pourquoi Gayatri a pris cette décision. Quoi? Mais dis-moi alors. Shubi, en fait, Gayatri... Soani, promets-moi que tu n'en parleras jamais à personne. Promets-le-moi, c'est notre secret. Vas-y, Soani, dis-moi la vérité sur Gayatri. Aucune fille ne voudrait voir ses parents malheureux à cause d'elle. Je pense que si elle fait ça, c'est pour faire plaisir à sa mère, Shubi. Mais Soani... Son futur mari... Shubi... Je suis sûre que... Gayatri a bien réfléchi avant de prendre cette décision. Shubi, je sais que
Tu veux toujours que tout le monde soit heureux autour de toi. Mais il me paraît important de parfois laisser Dieu décider pour nous. Et dis-toi que parfois les signaux que Dieu nous envoie, on ne les voit pas. À mon avis, Gayatri a réfléchi longtemps avant de dire oui. Tu n'as pas le droit de l'arrêter. Je crois que tu as raison, Soigny. Je ne dois pas m'immiscer dans sa vie privée. Ce n'est pas correct, c'est vrai. Excuse d'où, Satya. Eh bien? Tout va bien, Tiloram? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des offrandes. C'est une coutume qui existe dans notre case depuis toujours. Nous apportons aux prétendants du safran et du riz. Ça veut dire qu'on accepte le mariage. C'est une bonne nouvelle. Dans mes bras, mon frère. Félicitations, Dini. Bon frère, ton cœur est immense. Tiloram, tout ce qui arrive, c'est grâce à Krishna. Peut-être que ce mariage sera heureux pour notre fille. Ginny, laissons le passé derrière nous, car nous allons bientôt marier notre fille. Il faut prendre une décision. Qui va conduire la mariée? Toi ou moi? Il n'y a rien à décider. Ce sera toi, ce sera un honneur. Regarde, nous parlions de notre fille et la voilà qui arrive. Ginny, offrant ses présents à Krishna et en voyant le reste chez le fiancé. Avec l'aide de Krishna, tout se passera au mieux. Entre vite, Shub. J'ai de bonnes nouvelles. Gayatri sera bientôt fiancée. Félicitations, Gayatri. Shub. Pardonne-moi, s'il te plaît. Hier, j'ai été très grossière avec toi. Ce n'est pas grave. Tu as le droit d'être en colère après moi. Je suis ton frère. Vous avez vu son visage? Bien qu'on y lise la joie, on voit aussi qu'elle est triste de bientôt nous quitter. Satya, ce sont les invitations. C'est à toi que revient l'honneur de les envoyer. Quand ont lieu les fiançailles? Demain.
dans notre maison. Thilou, je suis désolé. On ne pourra pas y assister. Mais pour quelle raison ? Les fiançailles de notre fille ne doivent pas avoir lieu chez vous, mais dans notre maison. Comme tu voudras. Tu n'as pas à t'inquiéter, Jenny. Tout va se dérouler exactement selon tes désirs. Shubi, emmène Hans avec toi et allez remettre ces invitations à leur destinataire. Et tu précises bien que la cérémonie aura lieu dans cette maison. Oui, papa. J'y tiens beaucoup, Ginny. Tu es d'accord? Attends. Voici l'adresse de leur hôtel. Seigneur Krishna, je t'en prie, donne-moi de la force. J'ai pris cette décision pour le bonheur de tous. Je ne veux pas que ces gens puissent souffrir à cause de moi. Fais ça bien, surtout. Note bien tout ce que tu fais et tu seras payé, d'accord? Ah oui, d'accord, mais il faut payer d'avance. Tu veux bien travailler plus pour rien? Comment ça? Ben, tu es venu assister au mariage de Swanee. Et tu bosses pour les fiançailles de Gayatri. Mais je suis quelqu'un de très serviable. Et puis, les gens disent que quand je suis présente, quel que soit l'événement, j'apporte de la joie et de la chance, alors... Dis-moi, Hanche, Arjun et Swanee, ils sont très différents, non? Ah oui, tu as raison. Swanee est douce et du genre très calme. Alors qu'Arjun, il monte toujours pour rien. Il est du genre nerveux. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, je me demande une chose. Pourquoi ils ont accepté cette union, alors? Le seul responsable, c'est Shub, figure-toi. C'est Shub qui a réussi à faire prendre conscience que Swanee, c'était quelqu'un de bien et de très gentil. Lui, jamais il n'aurait voulu d'elle. Si seulement Shub pouvait se rendre compte de ce que veut vraiment Swanee, personne ne serait malheureux. Hein? Non, j'ai rien dit. Oublie, ce n'est rien. J'aimerais savoir, Shub est le fils le plus âgé dans votre famille. Alors, pourquoi n'est-il pas encore marié? Je t'en parlerai un jour. C'est une longue histoire. Je suis sûr qu'une fille très bien est destinée à Shub. J'en suis sûr. Quand le moment sera venu, lui aussi finira par se marier. Oui, mais peut-être que cette fille est là, sous ses yeux, mais qu'il ne l'a pas encore vue. Toi, tu sais quelque chose? Non, je ne sais rien du tout. Je parie que tu veux tous nous marier avant de t'en aller. Je n'ai pas d'idée pour toi. Mais par contre, j'en ai une pour Shub, c'est sûr. Et je vais le marier. Thiluram, c'est pour les membres de leur famille. Et papa choisit un cadeau pour le fiancé. Shubabu, c'est vraiment gentil, t'aurais pas dû... Thiluram, ça me fait vraiment plaisir, tu le sais. J'imagine qu'il faut te payer pour allumer ces bougies. Ah oui, tu m'as bien payé pour ce que j'ai fait avant, non? Jenny? Qui a préparé tout ça? Et en si peu de temps?
C'est ton mari qui l'a fait ? Ce n'est pas lui. Nous n'avons pas demandé que la cérémonie ait lieu ici. Ils veulent montrer au monde à quel point ils sont bons, laissant-les faire. Ils disent que ma fille est leur fille. Eh bien, qu'ils dépensent de l'argent pour ses fiançailles. Et en plus de ça, ils ne nous font pas une grosse faveur en dépensant tout cet argent, que ce soit clair. On leur a rien demandé. Ouais, tu as raison. Et Chandar, il m'a dit que ton mari a toujours fait beaucoup pour eux. Ginny, ce sont des saris pour les belles-sœurs du fiancé. Prends-les. Mais il paraît qu'il n'y a qu'une seule belle-sœur. Oui et non. Quand Choub est allé les inviter, il a appris que le fiancé avait un autre frère. C'est son cousin Germain. Mais il le traite comme son frère. Govardhan a précisé qu'il le considère comme un membre de la famille à part entière. Il arrivera dans la soirée. Vous auriez dû offrir des bijoux aussi, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que ton frère a jugé que ne connaissant pas leur goût, il était préférable de leur donner de l'argent pour qu'ils achètent ce qu'ils veulent. Merci, Soigny. Si tu avais dit la vérité à Choub, Mais je n'ai rien dit. J'ai fait ce qui est juste. Écoute, Gayatri, j'ai une chose à te demander. Toi aussi, tu dois faire ce qui est juste. Tout le monde ici t'aime beaucoup et veut que tu sois heureuse. Oui, je sais. Et je fais tout pour qu'il le soit. Si tu devais prendre la mauvaise décision pour toi, c'est moi qui en serais le plus blessée. Et dis-toi que je ne pourrai jamais me le pardonner. Je vivrai toute ma vie avec ce fardeau. Avoir osé mentir à Choub alors que je connaissais la vérité. Le bonheur de tant de gens dépend de mon bonheur. Que je ne peux pas être triste. Tu vas commencer par arrêter de pleurer. C'est vraiment très important. Car personne dans la famille ne supporte de te voir pleurer. Je peux te dire une chose, Soigny? Arjun a vraiment beaucoup de chance. Car c'est un bonheur de t'avoir pour épouse. Ah, 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 ah.